Bonjour, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Je suis à deux doigts d'exploser, j'ai mangé du riz il y a à peu près une demi-heure. Et je vous salue. Voilà, bonjour, bonjour. Ah, on va baisser légèrement histoire que vous puissiez m'entendre quand même, hein. C'est quand même le minimum, ça. Comment ça va? Bonjour. Bonjour, bonjour. Salut Domi, salut tout le monde. Domingo. Hey. Bonjour, El Famoso t-shirt blanc. Non mais là j'avais plus rien en stock les gars, j'étais à bout, je n'en pouvais plus, voilà, pas le choix. Écoutez, on a fait ce qu'on a pu plutôt. Incroyable, j'ai passé un week-end incroyable, j'ai trop de trucs à vous raconter. Ça va être fantastique, je suis très content de vous retrouver, j'espère que vous allez bien d'ailleurs. Que Imhotep et tout. Bon anniversaire en retard, merci pour tous vos messages d'anniversaire, j'en ai reçu des milliers sur Twitter, partout et tout, ça m'a fait trop plaisir. Merci beaucoup pour tous les resubs aussi. Re-bienvenue à tous, j'ai vu Dragbar 49 mois, je vois Mandrace 22, 29 mois Crazy Nutsy, Xelor 17 mois, 38 mois Thomas, 13 mois Klamea, 14 Shoïd, 11 Woz, 20 mois pour Jimbo. Ça, c'est beaucoup, ça. Bon week-end, mais... The Savon, on espère. The DRT Savon, on espère. Assez peu, hein. Assez peu, là, quand même. Qui peut me test? Bah là, il y a des gens qui ont plus, Dragbar, quand même. Je dois te le dire, 49 mois, il y a des gens qui ont plus, mais 49 mois, t'es quand même très solide, quoi. Tu fais quand même très plaisir avec ça. Là, c'est quand même une belle base. Un an de sub en plus pour Seto, 19 mois pour Baptiste. Putain, on a des anciens, là, ça fait plaisir, là. Pas trop de gueux à la campagne. Ah, oh, bah, 2-3 qui ont voulu nous approcher, mais vous savez... Oh, mon cheval a su les repousser, heureusement, c'était... Ouf. On est passé à deux doigts. Axrog, merci pour le Prime. Vic qui a offert un sub à Zametar. Merci, merci aussi, ça fait trop plaisir. T'as pris des couleurs. Hey, j'étais au Point Soleil, voilà. J'ai passé le week-end au Point Soleil, j'ai pris un abonnement plus. C'est 2h30 du V par jour désormais, voilà, je dois vous le dire. Écoutez, ne soyons pas dans du mensonge désormais. Partageons. Non, mais première année que je prends des couleurs, c'est fou la vie dehors. Hein. Faut que j'en parle aux autres streamers. Non, je rigole, je suis juste sorti, j'ai pas pris du V. Mais je comprends que cette blague n'était pas très fondée quand même. On dirait un homard. Non mais là, j'ai un peu cramé. J'avoue que j'ai cramé, mais c'est incroyable le soleil, c'est fou. On se serait pas dit ça, tu vois. On se serait pas dit qu'en sortant, on pouvait passer du bon temps, quoi. Et en fait, si, quoi. Donc, absolument incroyable. Bonsoir à tous ceux qui arrivent. T'as encore ton carton de déménagement, frérot. C'est pas un décor momentané. Si, mais en fait, comme on fait un gros truc, le truc, en fait, il devait se faire début juillet. Il a été repoussé à mi-août. Mais du coup, c'est limite mieux. Comme ça, je vais reprendre le stream avec un nouveau décor après les vacances. Et ça sera sympa, tu vois. Ça va être peut-être plus sympa, même. Comme ça, ça fera quasiment à la rentrée, tu vois. Ah oui, un peu de retard, un peu mes Covid, tout ça, on connaît, Srikap, c'est pas de souci, ouais, j'ai vu que ça t'a tenu à cœur quand même. Il faut mettre de la crème solaire, sinon tu auras des rides plus vite. C'est vrai que j'ai déjà des sacrés rides. Mais c'est vrai que j'ai pas mis trop de crème solaire, non mais ça allait, mais en gros ce week-end, pour vous raconter un peu, je vais vous raconter un peu ma vie, t'es allé dans le 28 ou à Punta Cana. Non mais mec, là en plus j'ai plein de rendez-vous dehors, ah je suis, j'ai un style, concrètement mon style, attendez. Il faut un accessoire de plus pour vous montrer mon style. Ouais, tu mets un caf pour la 12. Ok, ouais. Petit short popcorn, petit short... Le plouc. Ouais, salut, toujours très flex, hein. Toujours, on est là, on est très en détente. Oh là là! Ah, et tout de suite, bien sûr, ce qui est très important, c'est le regard vers le soleil. Ah, faut pas louper une minute de soleil, vraiment, ça. le Ploukos, putain. Ah là là, mais je suis quand même assez heureux là. Xécule, merci pour le Prime. Ah, j'ai passé le touriste. Non, mais ce qui rend la tenue incroyable, c'est quand même le short popcorn. Le short popcorn qui te fait passer un. Ça te fait passer un étage au-dessus, j'arrivais pas à bronzer jusqu'à présent. Boum, short popcorn qui est bientôt réapprovisionné en plus, donc... Ça... Et les chaussettes. Bah les chaussettes, tu sais, c'est les sockets de merde, là. Qui te niquent les pieds, où t'as pas le choix. T'arrives jamais à trouver la bonne taille de socket qui va faire que c'est quand même bien quand tu mets un short qui monte pas trop haut ni trop bas. Du coup, un coup sur deux, ça se perd dans la chaussure, c'est trop chiant. Le truc, tu finis, t'as l'impression, concrètement, que ton pied...
Il est passé au lave-linge, là, c'est infernal, ça. C'est team 43-46. Ouais, mais tu sais, c'est dur, tu vois, parce que soit la chaussette, tu vois, t'es genre juste en chaussette comme ça, là, et ça s'arrête là. Mais là, ça, c'est la taille de merde, parce que quand tu mets ta chose, la chose s'arrête ici. Donc déjà, tu transpires, et en plus, la chaussette, très vite, elle se retrouve comme ça, quoi. Donc bon, j'ai bientôt un podcast hein, qui sort dessus, vous en faites pas, mes youtubos, ça arrive très très fort, quoi. Dragbar, merci pour le sub offert. 5 subs offerts, même. C'est pas le sub offert, toi, t'arrives, tu rigoles pas du tout. C'est très gentil, merci, merci beaucoup en tout cas, poto. Ouais, du coup, pour vous raconter, parce qu'on parle un peu, comme je vous dis, donc vers 20h, je crois, il y a comment ça s'appelle, petite soirée sur Golfit. C'est Ponce qui m'a proposé ça. J'étais en mode, mais mon gars, avec plaisir. Antoine Daniel, Ponce, Rivenzi, angle droit. On va faire du Golfit, donc assez cool. Les maps de... les maps, comment ça s'appelle, si je ne m'abuse. Je me perds. De la Zilane. Mais c'est surtout pour jouer à Golfit avant tout. Personne n'a joué, je crois, à Golfit, quasiment. Donc on va tous à peu près avoir le même niveau, sachant que moi, de base, je suis un peu à chier. Et Golfit, c'est typiquement le genre de jeu où quand tout le monde one-shot tout, si toi, t'es à chier, t'as aucun plaisir. Donc quand t'es à niveau équivalent, ça peut être sympa. C'est qui, angle droit? C'est une streameuse avec qui j'avais fait du GeoGuessr, qui est très cool, je vous en avais parlé un peu, qui fait pas mal de GeoGuessr, qui fait pas mal de trucs avec Antoine Daniel, notamment, et ça, c'est plutôt très sympa. Boli, merci, ça va très bien, frérot. J'ai passé un week-end, je suis trop heureux. Porto, merci aussi pour le 15e mois. J'ai fait, en gros, j'ai fait un petit week-end à la campagne. Chaudon City Gang, bien sûr. Le 28 se lève. Le 28 est en feu. Le 28 allume d'ailleurs des fumigènes à l'heure actuelle. Eladora, merci aussi pour le sub offert. Et du coup, j'ai pris un petit week-end avec des potes, avec de la famille et tout. Et concrètement, c'était chill. On a fait une petite activité canoë. Ça faisait un bail que j'avais pas fait du canoë. Hein. Oh là là. Ah, du canoë sur l'Eure, c'est-à-dire une rivière qui ne bouge pas. Ah, c'est un plaisir niveau bras. Ah, le canoë, c'est un plaisir. En plus, tout le monde avait des barques de 2. Nous, on avait une barque de 3. C'était concrètement un enfer pour pouvoir pousser suffisamment. J'en pouvais plus. J'ai failli me noyer parce que j'avais vraiment envie de... J'avais envie d'arrêter de vivre, tu vois. C'est l'eau, en fait, qui est vraiment bien stagnante, ce qui fait que parfois, tu passes dans des coins et tu vois, tu sais, les petites araignées d'eau, là, qui sautent sur l'eau et tout. Ah, ça, c'est que du bonheur. Ah, c'est le mieux, c'est le mieux. Quand tu vois l'araignée, que t'es en train de pagayer, que tu la vois rentrer dans le short, ah, c'est le... Moi, c'est ce que j'ai préféré. C'est concrètement, on appelle ça une rivière, père. Ouais, c'est vrai. Mais bon, tu sais, moi, je découvre. J'ai découvert le soleil récemment, j'en suis... Chaque chose en son temps, chaque chose en son temps, on peut pas tout découvrir d'un coup non plus, quoi. Mais non, mais ça a fait du bien, ça a fait du bien, un peu de sport et tout. C'est quoi ce canoë éclaté que t'as fait? Bah, je pense qu'en fait, le canoë, ça dépend beaucoup des rivières. C'est-à-dire que les rivières où t'as des rapides, c'est fou, et les rivières où t'as pas de rapides, c'est tes bras, quoi. C'est l'un ou l'autre, quoi. Et non, mais c'était bien cool. Juste, c'est vrai que prendre 8 km de descente... qui était quasiment de la montée, hein, au passage, je tiens à le dire. C'était peut-être un peu long, peut-être que 5 ça aurait pu aller, peut-être que 5 ça aurait pu être très plaisant. C'est le chien de ma sœur, c'est le chien de ma sœur, c'est Oscar. Oh, j'ai passé un week-end concrètement, ouais, j'ai réuni des potes, j'ai dit réuni ma sœur, mais ma sœur, son mec et son chien qui étaient là aussi. Ça a été petit barbecue, ça a été petite table de ping-pong. Petit jeu de cartes, petit truc, petit canoë, petite soirée, c'était... je suis parti de vendredi soir à... Bah, on était en live, là, j'ai dû faire ma valise en 2-2. Oh, mais je suis un vrai bouffon, putain. Je suis vraiment parti comme si j'allais... si j'allais à Punta Cana. C'est-à-dire que je me suis dit, oh bah, il va faire beau ce week-end. J'ai pris des shorts, je me suis dit, oh bah, tiens, je prends quand même juste un petit pull, histoire de le soir, quand il va faire un peu plus frais. Mec, 23h le soir même. J'étais en short, avec ces mêmes chaussettes, là. Oh. J'étais dans le plaid. J'étais dans le plaid, dehors. J'étais genre... Le plouc. Tout le monde m'avait dit, bah, t'as pas ramené de pantalon, de trucs. J'étais en mode, ah ouais. C'est vrai que c'est pas con, quand même. Mais bon, 26 ans, on commence à savoir à peu près faire une valise, hein, voilà. Mais je me suis précipité, pourquoi? Pour prendre mes affaires de sport. Et du coup, ça a été quand même un week-end assez sportif avec canoë. Le lendemain, je suis allé courir un peu. C'était cool, un petit 4-5 km, rapido. Du bon match de ping-pong. Ah, j'ai kiffé. J'ai kiffé de... Ah ouais, ça m'a vraiment... Tu sais, je suis revenu heureux, quoi. J'étais avec ma copine, il y avait ma copine aussi, ouais. Je suis revenu vraiment, vraiment très heureux. J'ai mis une petite photo. La photo est incroyable, en plus, sur Instagram. Elle est absolument folle, la photo. Avec ma sœur et du coup Oscar. Regardez comment il est beau, ce chien. Regardez comment...
Regardez comment il est beau, ce chien, ce petit monstre-là. Ce petit monstre qui court partout, qui fait du... il fait du foot, lui, je peux vous dire que... je peux vous dire que c'est incroyable. Hein. J'ai essayé de le dribbler et tout, c'est très technique. Putain, je me suis fait tailler sur Sam qui porte Frodon, désolé, j'ai vraiment des pieds d'hobbit. C'est vrai que j'ai vraiment des... Je suis vraiment... c'est terrible. Mais la photo est trop cool. La photo est vraiment trop cool en même temps. Le copain de ma copine est comment s'appelle, est photographe. Un des meilleurs dans son domaine, forcément. Le sang. Mais ta sœur est fraîche. Ouh là 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 là, attention, monsieur. Alors que t'aurais pu dire... oh là là, ta sœur est super mignonne, ou un truc plus... Mais ça va, c'est un avertissement. C'est un avertissement, on emploie juste les bons termes. Certains ne sont pas habitués à employer les bons termes. Le copain de ta sœur, j'ai dit quoi? Le copain de ta copine? Oui, non, le copain de ma sœur, du coup. Parce que le copain de ma copine, c'est moi, aux dernières nouvelles. Il faut, ouais. Ouais, plutôt. Ton chien est frais, ça se dit. Ah, Oscar, tu peux dire qu'il est frais. Oscar, en plus, ouais, tu peux dire, tu peux le chauffer un peu, c'est vrai que c'est quand même plutôt un beau gosse, quoi. Mais, non, mais donc, ouais, trop bien. Trop bien, c'est certain. J'ai des infos me disant que oui. Tu n'es pas de photographe, il me semble. Oscar, c'est un mannequin. Ah non, mais c'est trop cool d'avoir... Mais en fait, il est excité sexuellement par les plaids. Du coup, dès la première soirée... où j'ai mis le plaid parce que je me les pelais, ça a créé un rapport qui tout de suite a été très différent entre lui et moi. c'est quoi l'Insta d'Oscar? C'est les aventures d'Oscar. Non, du coup, c'est vrai qu'il a fallu le tenir un peu à l'écart. Mais c'est fou. Genre, les plaids, ça le stimule, tu vois. Mais c'est un animal, hein, c'est les chiens. Si vous avez des chiens, tu sais, parfois, il peut peut-être se chauffer un peu sur ta jambe, quoi, tu vois. Mais du coup, si vous le voyez et que vous avez un plaid à dispo, balance ton chien Oscar dans la sauce. Mais je viens d'arriver à me dire sur la phrase sexuelle attirée par les plaids. Non, mais je t'assure, c'est fou. Et ça va. Hein. C'est-à-dire que le mec, c'est un chien, c'est un golden. Tu vois, d'un coup, il veut te sauter un peu dessus. Tu lui fais comprendre, non, c'est fini, quoi. Tu sais, le mec est pas dans le coin à te regarder bizarre, à commencer à se caresser, ça va, tu vois, ça reste des relations homme-chien, très détentes, tu lui fais vite comprendre, hein, parce que je sens que certains ont imaginé des scènes. C'est vrai que ça m'a fait chelou quand j'ai vu un de mes meilleurs potes, je suis juste descendu pour boire un coup d'eau, je l'ai vu à quatre pattes avec un plaid, j'étais en mode, ben enfin, qu'est-ce qui se passe? ADR Give, merci pour le 21e mois. Je t'ai vu sur Twitter, P1. Possible ça, c'est possible ça. Tout à fait, ouais. Non mais du coup honnêtement c'était trop bien. C'était le petit fire. Le petit fire. Non, il n'y avait pas mes parents. Parents divorcés, tout, c'est pas le... Quand généralement tu réunis 10 personnes, c'est pas le meilleur bail de réunir les deux au même endroit. T'essayes de... des petites vesquilles, quoi, clac clac, ça joue beaucoup sur les appuis dans ces moments-là. Gourou, merci pour le 23e mois. Et il y a eu autre chose aussi, hein. Je sais pas si vous êtes au courant, en fait, que vous êtes juste face à une star, en fait. Parce que bon, avant ce week-end, voilà, je suis un peu connu, vite fait, tu vois, bon, je fais du streaming, j'ai une petite chaîne YouTube et tout. Mais ouais, c'est vrai que là, vous avez quand même une star de TikTok en face de vous, quoi. J'espère que, bon, ça va. Je vous avais parlé de TikTok depuis un bail. Je me suis dit, vas-y, faut que je fasse un TikTok. Au moins, j'en aurais lancé un. Je vais faire 200 vues. Je vais bider ma race et c'est bon. J'ai fait concrètement le pire TikTok du monde. Mon TikTok, c'est une story Instagram où j'ai dit que j'avais créé mon compte TikTok et que c'était mon premier TikTok et que c'était pour mon anniversaire, quoi. Eh, 112 000 vues, le bousier. Hein. Le bousier... 112 000 vues! Et ça, pas de Corée. Non, mais. Je peux vous dire que. Ça m'a surpris. Hein. Ça m'a surpris. Et en fait, c'est fou parce que. Même délire justement de. Je découvre le truc et tout. Alors, ce qui s'est passé, pour tout vous raconter un peu. En fait, je me suis dit, j'avais fait dans TikTok le truc de l'algorithme. En gros, sur tes TikTok, ce qui fait bien marcher, c'est quand les gens te voient, il faut qu'ils regardent en entier ta vidéo. S'ils ne regardent pas en entier ta vidéo, l'algorithme va vite capter que t'es baisé.
Tu vois, c'est-à-dire que t'es concrètement, ils te disent, bah, ta vidéo est pas intéressante. Donc il y a ça, il y a le fait de liker, de mettre un commentaire, il y a le taux donc de complétion, il y a le fait de répéter la vidéo et le fait de partager aussi. C'est pas ouf pour TikTok. Non mais c'est de la merde, mais c'est 112 000 vues quoi, tu vois, genre laissez-moi, je suis en pleine expérience, je suis en pleine expérimentation là, c'est assez fou ce qui se passe. Donc moi, direct, je fais mon truc, clac clac, je l'ai fait un peu à l'arrache, hein. J'avoue que j'étais juste en mode tiens, au moins vas-y, je le fais aujourd'hui. Je me suis quand même dit pour vous mettre un peu dans les coulisses, j'ai pas mis le changement de scène à réunion et tout, mais je me suis dit anniversaire, forcément, ça peut parler aux gens. Enfin, tu te dis hop, mettre un petit commentaire. Expérientiation, ça se dit pas, mais c'est tout nouveau, ça arrive dans le game là, ça vient des States. et je me suis dit, ça va faire du com. Va y avoir du com pour les gens qui me découvrent sur l'anniversaire, donc c'est le jour parfait. Donc s'il y a bien un jour où je me chauffe, pardon, c'est aujourd'hui. Je lance le truc, direct, qu'est-ce que je fais? Mon iPhone, boum, il tourne en boucle avec la vidéo de TikTok. Au bout d'un moment, quand on commence à l'avoir vu 15-20 fois sur mon téléphone, qu'est-ce que je fais? Je me suis dit, pas d'auto-like, parce que l'auto-like, s'il y a que 4 likes et qu'on voit que j'ai liké, on va se dire, le mec est quand même en chien. Le mec est quand même vraiment en chien, faut peut-être faire attention à lui. Donc, il y a eu ça. Ensuite, petit partage. Partage à qui? À tous les gens qui était présent à mon anniversaire. Tous les gens à qui étaient présents à mon anniversaire, qu'est-ce qu'ils ont dû faire? Regarder ma vidéo en boucle. Eux, ils ont pu la liker, ils ont été obligés de la commenter. Ils ont tous dû la partager. Mais en fait, entre nous, tu vois, juste que ça compte comme un partage, j'étais pas en mode mettre ça sur ton mur Facebook ou envoie ça par mail, c'était pas l'idée, c'était juste pour essayer. Et au début, j'ai fait 20 likes, enfin 20 vues, parce qu'en fait, j'avais personne. J'avais, j'en avais parlé vite fait de TikTok, mais comme ça, c'est marrant, je trouve le côté expérience, tu vois. Et j'avais peut-être 700 abonnés, quoi. Et en 10 minutes, je reviens 10 minutes après, je me dis quoi? 700 vues. Et là! Là, je me dis, ça mord, il faut qu'on continue. Donc, il faut qu'on continue. Donc, bon, là, à ce stade, 700 vues, j'étais déjà hors de contrôle. Je ne maîtrisais plus le buzz. J'ai eu un premier mec qui m'a dit, c'est qui? Je me suis dit, c'est fou. Genre, j'ai 400 vues. Et il y a plein de gens où je suis arrivé dans leur téléphone et qui ont jamais vu ma gueule, qui savent pas du tout qui je suis ni rien. C'est très très bon. C'est très 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 bon. Là honnêtement, on est sur quelque chose où c'est assez fou. Et le moment où j'ai compris que vraiment je tenais quelque chose, c'est là. C'est petit Fortnite qui m'a commenté si tu es le vrai avec de la faute comme jamais, dis vive la log busy. Et là, je me suis dit, ça y est, on les touche, les 6-10 ans. On y est. On y est. Ah non, non, mais là, ça y est, là, c'est bon. C'est bon, moi, c'est fini, Twitch, les gars. Ah, je vous le dis, là, j'arrête tout. Moi, je pars avec petit Fortnite. Je pars avec petit Fortnite et on est parti. Non, mais là, c'est... Comment ça, tu les touches? Non, non. Non. Pas d'article. Non. S'il vous plaît, non. Petit Fortnite est majeur en plus. Non, mais on s'est compris, bien évidemment. Log busy, c'est le truc de Squeezie. Ah non, mais j'ai vu des commentaires. C'était fou, j'ai vu des trucs. Ah bah merde, vous êtes baisés. Eh, mais il y a des gens, lui, il me connaît. Je savais pas. Le mec a 223K vues et il fait un truc avec ce filtre qui est assez marrant, tu vois, pour être honnête. Il y en a un autre que j'ai vu qui a aussi 350K. Et tu vois, bah vous voyez pas en fait, tu vois. Là, il y a un... Attends, je peux changer si vous voulez. Tu vois, il y a un, c'est qui, lui? Et en fait, c'est fou de voir plein de gens qui te connaissent pas. C'était assez... Non, il a pas de filtre. Qui est là avant les 1000 abos? Je rends. Tu vois, c'est... je te connais pas, je t'ai jamais vu. Ça va, le boss. Tu vois, c'est fou, ça. Et il y avait plein de gens comme ça, tu vois. Il y a vraiment des gens sans culture dans les commentaires. Alors c'est vrai que par contre, c'est le paradis de la faute d'orthographe, hein, ici. Hein. C'est... non, mais il y avait tout. Les gens étaient gentils. On a fait quoi? On a fait 6800 likes, tu vois. Et genre... 6900. Et je me suis amusé à actualiser de temps en temps. C'était rigolo pour concrètement rien de fou, quoi. C'est dingue de voir des gens qui me connaissent pas alors que je suis Domingo, quand même. Non, mais c'est... Non, c'est pas ça. C'est juste que... Bah si, quand même. Enfin, en 2020, pas me connaître. On est où, là? On est où? Il y a un moment où, bon, faudrait quand même... Non, mais c'est marrant d'avoir des gens qui... En fait, non, c'est pas... je me suis dit que j'étais passé, du coup, dans les pour-toi ou dans les trucs comme ça, quoi. Mais je sais pas, j'ai trouvé ça rigolo.
on verra bien. De toute façon, comme je vous ai dit, hein, c'est pas... Demain, je twerk. Demain, je twerk. J'ai dit. À 200 likes, je twerk. Voilà. c'est très simple. Hein. J'ai pas changé, mes principes n'ont pas bougé. Je suis toujours le même. Non, mais c'était rigolo. Ça m'a amusé. La Wish, merci pour le 39e mois. Silver pour le 12e mois. Merci beaucoup, les potos. Sur TikTok, les gens sont ultra généreux en termes de likes, abo. Bah, sur 112 000 personnes, j'ai 7 000 likes. Donc, apparemment, ils sont généreux, mais pas avec tout le monde. Mais t'en fais pas qu'on va les bosser. T'en fais même pas, on va revenir très fort. On va revenir très fort. Ça y est, on est. Je suis en conquête là. Je suis en conquête. Non, mais c'est rigolo, c'est addictif cette merde en fait, parce que tu fais des scrolls et d'un coup, tu peux tout d'un coup te retrouver partout. Enfin, c'est. Mais ce qui fait que je pense. Parce qu'il y en a qui tryhardent. Il y en a, vraiment qui tryhardent leur race, qui mettent genre 7-8 TikTok par jour et tout. Et je me dis, mais le moment où t'as percé et que tu fais 1 million de vues sur un TikTok et que le reste de tes vidéos. Tu fais genre 1000 vues, et 1000 vues, c'est déjà pas mal. Mais tu sais, c'est vraiment, genre, c'est terrible, quoi. Tu vois, c'est la star des années 80 qui a fait un buzz. Macumba, quoi. Macumba, et derrière, il a ressorti du son, rien n'a pris, quoi. Tu dois te dire... c'est t'es au fond, après, quoi. Ça paye TikTok. Oh, bah, tu touches rien du tout, quoi. Après, il y a des OP. J'ai vu une OP qui est incroyable, c'est Génération Montagne, je crois. Et d'ailleurs, je vais changer le titre du stream, j'ai rajouté hashtag ad. mais Génération Montagne, c'était pas drôle du tout. Génération Montagne, non, de temps en temps, faut se le dire. Il y a des moments où je me trouve marrant, il y a des moments où non, tu passes à côté, quoi. Quand tu passes à côté, faut savoir le reconnaître. T'es passé à côté, bah voilà. Non, et plus sérieusement, du coup, qui a fait des OP. J'ai vu ça, je pense concrètement, Génération Montagne c'est quoi? Découvrez les bons plans montagne en Auvergne-Rhône-Alpes pour les 8-25 ans. Donc en fait c'est le lobby des montagnes en France quoi. Enfin pas en France, Auvergne-Rhône-Alpes tu vois. Donc qui est, t'as le front un peu rouge. Ah je suis en full coup de soleil, hein, je suis cramé. Donc du coup ils ont l'air d'être par là quoi. Et ils ont fait 2-3 OP, attends. Si j'ai vu ça chez Carlito, Raphaël Carlier. Carlito qui nous a fait une petite, mais bien hein. Il était parti à la montagne. L'été dernier, j'étais là, au lac, avec le bro, machin, en Auvergne-Rhône-Alpes. Et en fait, ils veulent promouvoir la montagne. C'est fou comme type d'OP. J'ai vu McFly aussi faire ça. J'ai vu un... Qui lui, du coup, bah lui, il a pas dû partir récemment, donc il a fait un petit montage. C'est marrant que des trucs comme ça, ça lâche pas de like. Ah non, moi j'ai pas le like facile, je dois avouer. Et j'ai vu Joyka qui, lui, en a fait un sur TikTok. Mais je vais vous le montrer, vous allez trouver ça cringe, parce que c'est vrai que je discutais de tout ça et les gens captaient pas, mais Joyka TikTok, on tombe pas sur son TikTok? Peut-être ça, non? Ah non, je... Et là, y a pas de truc recherche. Ça, j'ai trouvé ça fou sur le site. Tu peux pas taper un mec et chercher un mec. C'est fou quand même, tu peux pas... je comprends pas, mais... Joyka trop cringe, si. Attends, si je fais ça et que je change ici par Joyka. Ah putain, dommage. C'était pas si mal quoi. Taper un mec, non mais chercher, tu vois, Instagram ici, je peux chercher des trucs, tu vois. Dans la barre d'URL peut-être. C'est quoi son en base? C'est Joyka délire. Non, Joyka c'est un vrai mec gentil en plus. Je l'ai rencontré 2-3 fois. Ah non, ça c'est un fake compte ça. Là on est sur un fake compte là. Il m'a souhaité mon anniversaire et tout. On s'est vu 2-3 fois. Et à chaque fois, il a toujours été hyper gentil avec moi, tu vois. À chaque fois, là, il m'a souhaité mon anniversaire et tout. Et il a fait ça. Tu pars où en vacances? Vous allez. Qu'est-ce que t'as? Il s'est chauffé en vrai. Hein. T'en fais trop là. Moi, je le trouve marrant, Joyka. Cet été, je pars à la montagne, j'irai faire du VTT, là-haut dans les Alpes. Cet été, je ferai de la rando, je t'enverrai des photos. Les panoramas, c'est trop beau, je fais du canyoning, ça se passe dans l'eau. Je pars à la montagne, 200 destinations, bien loin du monde à la plage. Je pars à la montagne, 200 tu vois, c'est cool. Bien loin du monde à la plage. Il s'est chauffé, quoi. Moi, je vais à Nice. Tu vois, il s'est chauffé. Je trouve que ça rend bien.
Je trouve que ça rend bien. Encore une fois, hein, tu vois, c'est du petit contenu qui se graille. Mais du coup, j'ai vu l'OP. Tu vois, le mec s'est chauffé. Le gars a refait un son. C'est genre, il se chauffe, quoi. Tu vois, genre, bon, c'est une OP et tout, tu vois, mais il refait juste un petit son pour l'intégrer. C'est quand même. Toujours pas le like. J'ai pas liké ça. Je suis une merde. Putain, vous likez pas mes trucs, moi. Vous vous inspirez de moi, c'est ça. Allez, j'y suis retourné, j'ai posé le like. Allez. Parfait. Même moi qui l'aime pas, je trouve ça cool. Non, et du coup, il est fort sur TikTok. Ouais, mais même, tu vois, enfin bref, c'était pas pour parler spécialement de Joyka. Mais ni de TikTok, hein, juste, c'était la première fois que je voyais une OP sur TikTok, et je trouvais que c'était pas mal foutu, tu vois. Je trouvais que c'était pas mal foutu, et que c'était pas trop forcé, que c'était bien donné, quoi. C'est quoi cette toupette? Non, mais là, j'ai... En fait, je me suis pas coiffé, je suis en situation de... Non, mais attendez, regardez, ça, c'est mon avant-moi, ça. Hein. Vous voyez la différence de couleur? Je suis en situation de homard, là. Alors, faut que je mette de la crème. Je pense qu'il faut se le dire. Il y a un moment où il faut se mettre de la crème. Il y a pas de souci. Hein. Il faut juste se dire. Un moment, bon. Être rouge n'est pas du bronzage. C'est quelque chose que j'ai encore un peu du mal à déterminer, mais on va mettre du bronzage. Voilà. La calvasse. Non, ça va. On a toujours eu ça, mais du coup, dire qu'on a toujours eu ça, ça te met dans une peau de roux. Non. C'est les lumières. Regardez. Ah ouais, vous voyez, ça me va bien. Ça rend bien le bronzage. Hein. Tiens, ça va. Ça se passe. Sans lumière, ça se passe très bien, quoi. Mais non, du coup, j'ai trouvé. Je sais pas pourquoi j'en parle, mais j'ai trouvé l'OP marrante de Génération Montagne. C'est cool, enfin, entre guillemets, que ce soit des régions de France ou quoi. Et je vous en avais parlé un peu du délire de VTT, VTT, partir à la montagne en été et tout. Qui aurait été un truc qui aurait pu me chauffer, moi. Donc ça m'a fait rire, j'ai vu ça passer au même moment. J'étais en mode putain, incroyable. J'aurais pu négo une OP, partir dans un truc où je voulais et en faire la promo. Ça aurait été fou. Bon, je suis parti à Chaudon, c'est quand même très bien. C'est quoi ce soir? Soir, ça va être Goldfish, je crois, dans une demi-heure, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Rendez-vous à 20h sur le Discord de Ponce avec Ponce, Antoine Daniel et tout. C'est clac, je rejoins le Discord. J'ai téléchargé le jeu avant. J'ai bien testé que c'est bon, je pouvais le lancer. Parce que Goldfish, j'ai eu des soucis. Mais voilà, la divinité du motorsport dans les jours. Mercredi, je pense, motorsport. Il n'y a pas de prog là. Tout simplement parce que. Parce que demain, je pense, pas live. Et je live un peu en impro. Je vais live un peu en impro, ça va être ça un peu ce week-end. Ce week-end, c'est durant les vacances plutôt, donc là un peu durant l'été et tout. Je vous conseille, là j'ai mis un petit lien pour l'extension qui est juste là avec le point d'exclamation EX. Si vous êtes sur Chrome, de télécharger l'extension, c'est un truc entièrement gratuit qui vous indique juste quand je lance le live, et histoire de pas louper, parce que c'est vrai qu'il y a moins d'informations de quand est-ce que je live et tout, même si là les gros trucs, je pense que ça va être aujourd'hui, bah là la soirée, mercredi, je suis brave, mercredi, je pense qu'on fera un peu de Motorsport Manager, peut-être un peu de Trackmania, ce week-end, samedi, dimanche, je suis en full live, puisqu'on va suivre les performances de la Team Pax, donc de Bad Lulu et de Coco, à la Trackmania Cup, durant toutes les qualifs, on aura les deux POV que je commenterai, etc. Donc ça va être très sympa. Mercredi, la F2. Et mercredi, on va chercher la F2. Hein. Voilà. Si j'arrive à te faire sourire avec une vidéo TikTok, j'ai le droit à une pub. Geloso, merci pour le 19e mois. Ouais, mon cher Lua. Ouais, même si c'est un peu étrange. Mais pourquoi pas. Et demain. Demain, je pense pas que je live. Demain, je pense pas live, les potes. Xari, il est en vacances, là. Xari, ça y est, il est... Il est en full soleil, quoi. Je pars quelque part en vacances. Je pars dans le sud fin juillet, là. Je pars dans le sud. T'as suivi la conférence Ubisoft d'hier soir, le nouveau Far Cry? Alors, j'ai pas suivi, mais j'ai lu un peu, notamment sur Assassin's Creed Valhalla, là, qui me tentait bien, qui sort, si je dis pas de bêtises, en novembre. Sur le gameplay, etc. Je pense qu'il peut bien me chauffer. Je lirai des nouveaux trucs dessus. Mais ça peut bien me chauffer. Et Far Cry 6, Valhalla. Ouais, moi, je balance du Valhalla, moi. Valhalla. On va au Valhalla. T'avais pas dit de pas live pour pas faire concurrence à Zera. En gros, en fait, les qualifs, je les live et c'est la finale que je live pas, où je laisse tout le truc à Zera, quoi. Les qualifs, c'est genre, il y a vraiment énormément de gens. En gros, les qualifs, comment ça se passe? Vous avez pas jamais maté Trackmania Cup, c'est vraiment... Il y a je sais même plus combien de joueurs au départ, c'est après-demain les inscriptions pour la Trackmania Cup, mais c'est monstrueux, quoi. Zera live même pas les qualifs en plus. Ah, je crois que si, hein. Non, il live pas. Les quarts de finale et tout? Je pense que si, peut-être. Hein.
Far Cry, plus personne va en parler si multiplex. Ouais, généralement, il fait des multiplex, hein. Généralement, il fait des multiplex. Mais du coup, tu sais, genre, je me suis dit, bah, pour avoir nos gars, Lulu et Coco, moi, j'avais envie de les suivre vraiment juste eux, tu vois. Et du coup, des nouvelles de tes poulains. Ouais, bah, ils ont pas participé hier à la soirée round. Je leur ai demandé, ils en ont prévu 2-3, là, dans la semaine pour bien s'entraîner et tout. Et ils sont bien chauds. Si, mais qu'à partir des quarts de finale. Ah, il fera que les quarts de finale Ok. D'habitude, ils stream pas exclusivement les quarts. Je sais pas, on verra, je sais pas. Je ne sais pas du tout. Salut Demi, j'adore ce que tu fais. Merci beaucoup, Lucie Belle, c'est très gentil. Tu ne seras pas avec Rive. Ce soir, si. Ce soir, si. J'ai regardé la F1. Non, pareil, mais moi, je me fais des petits résumés de ce qui se passe. J'ai vu, du coup, Lando Norris, là, sur la fin. En 3 tours, il a remonté 3 places, quoi. C'était bien sympa. Voilà. Un stream avec Kabetos peut être marrant, vous deux défendant vos joueurs. Bah, après, c'est difficile, tu vois, c'est mieux, je pense, chacun de son côté. Mais stream avec Kamel, ça me manque un peu, ça fait quelques temps, là. Ça pourrait être cool qu'on se refasse un truc. En 2 tours, il a fait 3 places, ouais. Soyez pas fan de Ferrari en ce moment. Il y a eu un crash, non? Ils sont rentrés dedans? Un truc comme ça? J'ai cru voir un bail... D'autres débats, comme sur TikTok, de prévu. Bah, ça dépend, hein. Parfois, je lis des articles et... Et du coup, je... Bah, j'en parle, quoi, quand ça m'intéresse. J'ai vu que... Oh, ça, c'est très économie, quoi. J'ai vu que les États-Unis allaient potentiellement nous taxer sur 1,3 milliard de dollars de produits. Parce qu'on veut taxer les GAFA. Ceci est un combat. Mais voilà, des choses, hein, des choses. Par-ci, par-là, vivement Popcorn, vivement le retour de Popcorn, hein, ça manque, hein. Ça manque fort quand même, hein. Makutop, Maiko Makoto, 24 mois, le survolté, sub tier 2 pour 18 mois, il n'y a que des subs, des subs. Bonjour messieurs les subs, les GAFAM moi-même, tout à fait. 20 mois aussi, One Tail, 17 mois, 42 au total, putain, pour Théo qui rigole. Ah quand même, quand même, quand même. Merci beaucoup, c'est gentil. Des streams à prévoir avec Zulu, qui est en solo maintenant, pourquoi pas. J'ai vu, Zulu est parti de le stream, putain, je savais pas du tout. J'ai eu l'info, genre peut-être un jour avant que ça arrive, parce que généralement, ce genre de truc, ça tourne, quoi, les infos. Et c'est fou, ouais. C'est fou qu'il soit parti de le stream, parce que c'est quand même une grosse personnalité, on va dire, chez le stream. C'est vrai que j'ai trouvé ça dingo, mais d'un autre côté, bon, bah, c'est ce qu'il a besoin, quoi. Ça faisait quelques temps, quand même, le stream, ça s'est lancé quand? En 2 ans, 3 ans, je pense. Je pense que ouais, c'était émouvant. Il part surtout à Dunkerque, Mar de Paris. Ouais, c'est ce que j'ai vu, ouais. C'est ce que j'ai vu. 4 ans, ça fait 4 ans le stream. Ça s'est lancé en 2016. Jure. Non, 3, non. Je tape lancement le stream. Merci Nassien pour le sub. Lancement le stream, c'était quand ça? Alors. Créé le 8 mars 2017, c'est il y a 3 ans et quasiment et demi. 3 ans et demi quasiment. Putain, ça passe vite, hein. Sacra, merci pour le prime. Mais c'est vrai que Zulu, j'ai vu qu'il y avait... Sky qui se barrait, il y avait... Ah putain. Yannou ? Je n'arrivais pas à retrouver le nom de Yann. J'avais sa tête, j'avais tout, je sais pas pourquoi, je voulais l'appeler Hugo. Il y avait Yannou, il y a Zank, bien sûr, aussi. Il y a Zach Nani aussi qui s'est barré. C'est vrai que ça avait l'air d'être un peu fait en soum-soum. Astien, merci pour le prime. De ce que j'ai compris, des messages que j'ai pu voir et tout, moi, je suis pas trop à l'intérieur de ça. Mais c'est louche, ces départs. Bah, je sais pas, c'est pas très bien communiqué, en tout cas, vu les tweets et tout qu'on mis... Qu'ont mis Zank et compagnie. Mais je pense que bon, il y a beaucoup de gens, quoi. Donc, il y a des gens qui sont là, il y a des gens qui partent et tout, ainsi de suite, quoi. Et ainsi de suite. ZNK le boss, ça sent la fin. Non, je pense pas. Pour quand même suivre un peu ce qui se fait sans connaître tous les ragots, non, je pense pas du tout. Et ils ont quand même beaucoup de choses, hein. Ils ont beaucoup de contenu et tout, quoi. Avec le Covid, ils ont très mal géré les départs. Ouais, je pense que ça n'a pas aidé aussi, hein. D'un coup, de faire d'être une web TV, je pense, d'un coup, de tout faire à distance, c'est clairement, c'était pas le feu, quoi. C'est une honte, aucun communauté communiqué pour ZNK. Ouais, c'est pas facile, comme Zank, il a fait des allées, pas venues, tu vois, mais sur la fin, c'est vrai qu'il était un peu revenu, il a refait 2-3 trucs. Mais dans l'ensemble, ils ont pas bien géré, ouais. Ils ont clairement ces débarques, comment s'est présenté...
Le stream est lancé le 8 mars 2017 par les youtubeurs Squeezie et Cyprien, aidés par Mikalo. L'équipe de lancement, c'est marrant. C'est des barres. Comment ils ont la phrase d'accroche, tu sais. C'est marrant, ouais. Dis rien à parler en live. Ah ouais, bah tu vois, Gigi, je pense, c'est plus concerné que moi. Tu vois, moi, je peux pas vous dire Gigi est dedans. Moi, c'est un peu tous mes potes, donc on discute. Mais j'ai pas vraiment les infos. J'ai pas vraiment les infos, quoi. Mais je pense pas que ça soit le début de la fin ou des trucs comme ça. Hein. C'est comme ça qu'ils l'ont vendu aux viewers au début. Ah ouais, que Mikalo. Bah, au début, c'était vraiment le délire de Squeezie Cyprien. Ça, oui. Moi, c'était plus aidé par Mikalo qui. Squeezie fait quoi chez le stream? Squeezie a quand même pas mal lancé. Il l'a pas mal lancé. Hein. Après, il a pas fait énormément de trucs. À un moment, il faisait une fois par semaine, si je dis pas de bêtises, un créneau. Mais Squeezie a quand même mis très très bien. Hein. Genre, sur le lancement. Sur le lancement, il avait fait une vidéo, genre mon plus gros projet. Je peux te dire que dans le stream game, quand t'as Squeezie qui fait une vidéo mon plus gros projet. Tu vois, il a mis par exemple le Prime, tu vois, qui était un truc sur de le stream. Retrouver l'équipe chaque jour sur le stream et tout. Il a peut-être pas fait énormément de choses d'un point de vue contenu sur le stream. À un moment, j'avais vu qu'il se faisait un peu chier dessus, tu vois, pour ça. Genre, ah putain, bah il fait plus rien pour le stream et tout. Le mec, il les a quand même giga boost, hein, tu vois. Donc, 158 000 viewers, je crois, avec sur le lancement. C'est quand même pas mal de pub, quoi, tu vois. Ça a quand même mis, ça a quand même mis très très bien, quoi. Mais ouais. Wesh, pourquoi t'es rouge comme ça? Mais je suis en coup de soleil, les gars. Je suis en torse rouge qui a mal... qui est torse rouge qui est un peu parti en couille. En gros. Il a summer fait lancement. Ouais, hier, vous avez 20 viewers pour le débrief de la conférence subie, c'est très bien. Ah bah oui, mais ça se passe très bien, le stream. Oui, moi, j'ai découvert Twitch grâce à ça. Bah ouais, c'est ça qui est cool, tu vois. C'est pour ça qu'on avait besoin de... C'est comme d'hab, tu vois, souvent les gens étaient en mode « Ah non, mais pas Squeezie qui vient sur Twitch et tout, au final c'est trop cool, il a fait arriver, il a fait découvrir plein de gens, Twitch à plein de gens, etc. Et c'est nécessaire, quoi. Le stream, c'est un bon condensé pour se tenir au courant des actus. » Ouais, moi je trouve ça bien, hein. Je suis pas fan de... Je regarde de temps en temps, moi sur le stream, je regarde de temps en temps le journal, quand je tombe dessus, qu'est-ce que je mate sur le stream? De temps en temps, mais très court, je mate moins qu'avant le récap. À un moment, je regardais un peu le récap, j'en avais eu un peu marre, mais parce que, bah, tu vois, je fais mes trucs aussi, je live souvent en face, ou quand je live pas, du coup, bah, je suis pas forcément devant mon PC. Et, ouais. Le scale, c'est un peu trop e-sport pour moi, quoi. De temps en temps, je tombe sur les trucs de leur jeu en plateau, que je trouvais sympa. Je pense qu'ils en font plus énormément, là. Mais t'as fait des trucs avec le stream. De temps en temps... J'avais participé à des petits trucs, par-ci, par-là, des OP. Les OP que j'ai fait chez eux, c'était pas spécialement fou, généralement. C'était des trucs, parfois, tu sais, très gros, où du coup, bah, tu sens que t'es un peu un nom, plus un nom, plus un nom. Ce qui fait que, bah, y a plein de noms connus au milieu du même truc, mais pas hyper bien organisé, etc., quoi. Donc, le live, c'est un peu différent, quand même, quoi. Zach en libre, ponce la nuit, ouais, c'est ça. Bah après, Zach en libre, ça va plus être sur le stream et le truc du matin. Ça m'est arrivé, je trouve Jules, Jules c'est un bon pote, mais je le trouve très bon. Ouais. La Discord, c'est sympa, c'est pendant Popcorn, donc je pense pas que tu connais. Je vois quand même à peu près les trucs dans l'ensemble, ce que c'est, etc. Je me renseigne un peu, je fouine, tu vois. Je fouine. Attends, je suis allé jusqu'à fouiner TikTok, donc concrètement, je vois toutes les émissions qui se font sur Twitch quand même, tu vois. Mais bon, après, c'est pas pour autant que je consomme. Mais il y a plus que des talk shows pour faire des vues. Je pense que les gens... J'en parlais à un pote, ça, putain. Je pense que les gens aussi ont envie de ça, tu vois. Ça paraît con, mais moi, parfois, j'allume Twitch et je cherche limite quelqu'un qui va parler, en fait, tu vois. Parce que avoir tout de suite quelqu'un... En fait, comme t'es pas sur une vidéo YouTube où il peut y avoir du montage ou autre, quand t'es sur du jeu vidéo, bah parfois t'arrives, le mec est dans son jeu, soit tu connais pas trop, soit ça t'inspire pas plus que ça, soit le mec est à fond dans son bail. Tu vois, genre le côté discussion, moi souvent j'ouvre Twitch et si je vois pas un mec parler, bah en fait je ferme parce que j'ai pas envie spécialement de me poser devant du jeu vidéo, tu vois. Donc en ce moment, par exemple, il y a Trackmania, je trouve c'est hyper agréable à regarder. Bah là je vois, tu vois, j'ouvre Twitch, il y a Dwag qui fait son truc, donc Dwag Cup, première qualification, donc là il va faire une Dwag Cup cet été, donc bon, faut aimer Fortnite, moi j'avoue que c'est pas trop mon truc. Chanté, salut, vous avez décidé de venir là aussi, vous. Karl, tu vois, Karl, c'est le genre de contenu, c'est trop bien, parce que c'est du Trackmania, les mecs ils sont chauds, c'est archi propre, ça se mate très bien, tu vois, je trouve. Trackmania, c'est un truc qui se mate très bien. En plus, avec le pic
le pic, comment ça s'appelle, Trackmania Cup, tu vois, c'est vraiment, t'as un petit timing, quoi. Bon, là, c'est Fortnite, là, c'est Teamfight Tactics, là, c'est Discussion. J'avoue que je connais pas trop, JL Nono, pour le coup, je connais pas trop. Donc, j'aurais peut-être pas cliqué comme ça par instinct. Mais pourquoi pas, en découverte, c'est du LOL. Hors jeu, ça, c'est un petit talk show autour du foot, avec Bruce et Braque. Ça, j'aurais pu cliquer pour voir un peu. Gigi, tu vois, il est dans un run. Bah, il y a Antoine avec qui je vais jouer à Golfit. Ah, vous voyez pas, tout à droite. Mika sur Hyperscape, machin, truc. Tu vois, là j'aurais pas envie de cliquer de ouf, tu vois. Par exemple. Sans aucune offense, hein, d'un point de vue purement perso, quoi. Du Hyperscape, du Fortnite, du TFT. Ah oui, ce soir, je crois qu'il y a un Twitch Rivals TFT. Pas TFT, Hyperscape, là, le truc d'Ubisoft. Où j'ai un peu regardé, je sais plus, j'ai maté Skyheart, putain, j'ai lancé tout à l'heure Twitch, et j'ai maté Skyheart, un peu pour voir ce que donnait Hyperscape, et ça m'a pas donné trop envie, j'avais déjà maté un peu Gotha, je trouve ça très vertical, quoi. C'est très très vertical, un peu futuriste, ça m'a pas hyper accroché, mais je comprends qu'on puisse aimer. Le Under, là, ils font une grosse compète en plus, merci Le Under, ouais. JL, c'est nul que des gars puceaux. Mais non, je pense que c'est un raccourci un peu rapide, c'est un raccourci un peu rapide, il y en a qui sont jeunes aussi, tu vois, c'est normal. Tommy, j'aime bien, il fait son truc, quoi. Il fait son bail, il fait son truc. L'OP que t'as aimé le plus faire, mis à part Diesel, car en lien avec Popcorn, surtout. L'OP que j'ai aimé le plus faire... Commence à en avoir fait pas mal, hein. Ça dépend, parce que t'as OP, le délire de sponsor, tu vois, genre par exemple Intel... Intel, c'est la folie de les avoir signés cette année, quoi. Ce qui nous permet de faire plein de choses durant l'année, et en plus, on fait quand même des prods très stylés, quoi. Red. Ouais, Red, c'était propre. Hein. Red, d'ailleurs, là, on a bientôt... C'est un enfer. Les virements pour Red Shadow Legends, c'est un cauchemar. Parce que les mecs voulaient pas qu'on en envoyait directement à une asso. Les mecs, ils sont dans un autre monde. Hein. C'est un délire. Mais bon, bref. Et du coup, là, on est en bataille pour avoir le virement des du coup, 98 000 euros qu'on avait fait lundi, il y a 2 semaines. Et là, du coup, ça y est, on est presque bon. Donc, du coup, on va pouvoir retransférer... 100 000 euros en comblant les 2-3 000 euros justement qui manquent pour faire un chiffre tout rond et pour envoyer au Secours Populaire. Donc ouais, ça c'était une OP cool parce que c'était un truc caritatif et ça a fait plaisir, ça. Continue comme ça, merci Lorenz. Tu comptes retravailler avec Red du coup ou t'es dégoûté? Bah moi je suis pas... Concrètement j'avais fait une OP Red, la deuxième j'avais pas envie de la faire et je me suis dit du coup que j'allais la faire mais envoyer l'argent au Secours Populaire pour une asso, mais sinon j'aurais pas refait, quoi. Donc non je pense pas, et je me vois pas faire une troisième OP où du coup je refais un truc associatif et tout, quoi. Donc clairement. Tu as été obligé de faire transiter le don par ton compte. Ouais, les mecs voulaient pas du tout être associés à du caritatif. J'étais en mode mais comment ça? C'est-à-dire c'est... Tu vas combler les 2-4 de ta poche, t'es vraiment un gigaboss. Bah non, je trouve ça, c'est le minimum. Il y a beaucoup de gens qui étaient en mode, ah, déduction d'impôts, truc et tout, en mode les gros yeux, ça va... Jules, merci pour le sub. Ça va à peu près compenser. Moi, j'aurais préféré... Dans tous les trucs caritatifs, je préfère que ça passe pas par nous. Parce que quand il y a des merdes, moi, ma plus grande crainte, c'était que les mecs ne payent pas. Et je me serais retrouvé en mode, bah, 100 000 euros qu'on doit donner... Et genre, bah du coup, on n'a pas, vous nous envoyez pas l'argent, quoi. Et ça aurait été l'enfer, quoi. Ça aurait été l'enfer, mais du coup, bon, ils ont eu ça où ils voulaient pas direct. Ils voulaient pas direct envoyer. J'ai trouvé ça trop bizarre qu'ils ne veuillent pas envoyer. Ils voulaient vraiment pas être associés à du caritatif. J'avais peur, moi, limite, au début, que ça soit... Enfin, peur. Après, les assos, tu leur files 100 000 balles, ils sont contents, quoi, tu vois. Mais que le Secours Populaire nous dise, ah ouais, peut-être on veut pas trop s'associer à ça et tout. Et ça a été le sens inverse, tu vois. Donc ouais, c'était quand même... c'était 100K pour quel genre d'OP? En fait, c'était l'OP Red Shadow Legends. J'ai vu un message en amarre, mais je trouvais que c'était quand même cool l'idée qu'on avait eue. Et Red Shadow Legends classique, un téléchargement, vas-y, télécharger. Sauf que du coup, c'était pour le Secours Populaire où on va leur envoyer 100 000 euros, ce qui est énorme, quoi. Donc ils étaient comme des oufs et tout. Donc non, ça c'est vrai que c'était très bien. Mais ça c'était quand même le feu. Ça c'était quand même vraiment le feu. Mais c'est vrai que c'était... Qu'est-ce que j'ai fait comme OP un peu récente? Est-ce que j'ai fait un jeu? Cet été, il va y avoir une OP d'un jeu assez cool. Quel jeu j'ai fait en OP? Lyon, c'était sympa! On a fait Lyon. Ouais, récemment, j'ai fait Lyon. J'ai fait Lyon où, sur GeoGuessr. C'était une OP cool, ça. Simbad, merci beaucoup. C'était une OP qui était vachement... si vous n'avez pas suivi, en fait, c'était une soirée GeoGuessr.
avec Link, Étoile, Camel et Angle Droit. Et en fait, bah juste, ils avaient créé des maps spéciales où tu partais de temps en temps d'une statue d'un lion, de la porte au lion, de trucs qui avaient des refs avec Lyon, la map. Très bien fait, hein. On apprécie. Et ça, c'était cool. Tu vois, typiquement, Étoile, j'ai pas dit Étoile. Et ça, c'était propre. Mais généralement, j'essaie de faire des OP où c'est plutôt... ils sont sur les vocales, tes amis. Mais ça, c'est pas à 20h ? J'arrive. C'est mieux quand Kamel le fait. Ouais, généralement, je lance Kamel. Kamel, il est spécialiste pour envoyer du roar, là. Alors, je fais ma thèse sur les moyens de récolter de l'argent pour l'associatif auprès d'un public jeune. Ton événement m'a tellement mis bien. Promis, je te mets dans les crédits. Allez, ça part. Ça part. OP NBA. Bah, tu vois, par exemple, j'avais fait une OP NBA 2K. Et il y a quelques temps, quand même, que j'étais à mon ancien appart. NBA 2K Domingo, si je tape ça. Et... tu vois, j'ai un peu regretté de l'avoir fait. Bon, alors, c'est pas très grave ou quoi. Oh là là. J'ai l'impression que c'est il y a 10 ans. Avec la team. Ça, c'est avec mes gars. Donc, Clément, le cher TK, le boss. Que j'ai fait, pardon, pas fait, ouais. Romain, Enil. Et moi-même qui arrive à un moment. Bonsoir. Et en fait, on a joué à NBA 2K. Sauf que c'est vrai que c'est un jeu assez compliqué, NBA 2K. C'est un jeu assez compliqué et pas facile à prendre en main. Donc on n'a pas proposé un contenu qui était fou d'un point de vue gameplay. Tu vois, ils m'ont reproposé là, justement, de refaire du NBA, etc. Et j'ai refusé parce que concrètement, t'as aucune plus-value. Donc j'avais découvert, c'était cool de faire le fameux TK. C'est vrai que TK, c'est pas le meilleur surnom pour, dans le game. Je vais arrêter de l'appeler Clément. C'est trop sévère, quoi, le truc Clément. C'est trop sévère. Mais du coup, ça, c'était peut-être, tu vois, genre... bah là, typiquement, on m'a proposé, j'ai dit non, vas-y, je vais passer mon tour, on va pas en faire un truc bien, et c'est vraiment juste une OP pour une OP, et j'ai la chance d'être quand même pas mal contacté, donc je peux accepter d'autres trucs, quoi. Et j'ai vu passer, c'est vraiment pas simple quand tu connais pas comme jeu. Ouais, c'est ça, tu vois, j'avoue que je m'étais pas dit, et... bon, c'était sympa, mais pas fou, quoi. Non, les deux énormes trucs que j'ai pas dit qui étaient absolument fous, c'était... j'ai fait de l'avion de chasse avec Honor. Ça, c'était déjà incroyable. J'ai fait des trucs avec Honor, j'avais fait une série de vidéos où, genre, j'ai sauté en parachute. Avec Monsieur Clément, justement. Ça, c'était quand même ouf. Ça, c'était quand même ouf, ça. Dafriz, merci pour le prime. Cette gueule. Pas très confiant quand même, hein. Pas très très confiant, quoi. Mais c'était incroyable. J'ai eu peur, ça fait peur de ouf. Et j'avais fait un truc Lamborghini. Est-ce qu'on avait fait une vidéo? Boum. T'es prêt pour piloter, toi, Théo? Je suis bouillant. 19 août 2018. Putain, ça a 2 ans, ça, déjà. Et c'était pour Asphalt, donc un jeu mobile. C'était Asphalt. Asphalt 9, bien évidemment. Et c'était donc pour un jeu mobile. Moi, j'ai pas le permis, donc c'est Clément qui a conduit. C'était un beau petit cadeau que je lui ai fait. Et on a bombardé avec une Lamborghini. On a vu l'usine de fabrication de Lamborghini, etc. Ça m'a fait plaisir. C'était un beau... c'était un beau petit cadeau que j'ai fait à mon frérot. Faut devenir millionnaire. Expérience. Désolé s'il y a des OP prochainement. Ça sera bien, ça restera intéressant. Et te payer pour du saut en parachute, de l'avion de chasse, des tours en lambeau, c'est quand même sympa. Ah, c'est fou. C'est fou, quoi. T'avais des mecs, il y a un mec qui l'a acheté, quoi. Il y a un mec qui allait acheter la caisse. On était à l'usine et tout, et le mec est allé acheter la caisse. Oh là là. Ça, c'était un prototype qu'ils nous ont montré. Il n'y en avait qu'un dans le monde et tout, et il était dans le jeu aussi. Donc, petit double menton, le dodo. Un peu, hein. Mais depuis toujours, hein. Mais là, j'ai grossi entre-temps, en plus, mais... tu te fais rire toi-même. Ouais, c'est... la gueule, le narcissisme.